L'association COM qui existe depuis 1999 avec 6000 membres répartis entre 6 provinces. Nous avons comme activité majeure la santé, le domaine de la santé, qui nous tient réellement à cœur. C'est ainsi que nous menons des activités en matière de sensibilisation, surtout que nos femmes, nos enfants et nos populations sont du milieu rural. Notre public cible, ce sont les populations vivant dans le milieu rural. Or, vous savez, le milieu rural, hein, c'est réellement un milieu là où il manque beaucoup d'informations, beaucoup d'infrastructures de développement. Et c'est ainsi que nous avons choisi réellement de mener nos activités dans ce milieu. Alors, par rapport à la santé, ce qui m'a amené, au niveau de la province du Yatenga, nous menons pas mal d'activités dans ce sens. Et quand nous menons nos activités, nous avons aussi le suivi de ces activités. Donc, par rapport au PALU, le domaine de PALU, le domaine du VIH-SIDA, la prévention, le domaine de la PTME, le domaine de planification familiale, donc nous avons beaucoup de thèmes que nous menons envers ces populations. Et nous avons l'obligation de faire le suivi avec les structures sanitaires pour voir si toutefois nos messages sont bien suivis, si toutefois réellement il y a un suivi, ils vont dans ces espèces-là pour se soigner les enfants et pour les accoucher. C'est là que nous avons pensé. Ce CSPS, construit depuis 1987, a eu quand même pas mal de problèmes en ce qui concerne le matériel, l'insuffisance de matériel ces derniers temps, et surtout l'insuffisance de produits. Et les bâtiments étaient vétustes. Donc, rien ne marchait à l'intérieur. Même du côté sanitaire, ça ne va pas. Quand il pleut à l'eau, la salle d'accouchement, on ne peut pas. La retenue, quand même, en tout cas, mon point fort pour ce plaidoyer. C'est ainsi que j'ai fait des plaidoyers envers certaines organisations, certaines institutions. C'est ainsi qu'on a eu une oreille attentive au niveau du bureau de la coopération suisse qui nous a appuyé par rapport à la rénovation de tous ces bâtiments, par rapport à l'équipement, par rapport à l'appui, en tout cas les produits pharmaceutiques. Et au niveau du CSER, là, c'était partenaire aussi, incontournable que nous avons eu, parce que ils nous ont appuyé aussi en matière de médicaments, fortement, en matière d'équipement, vous avez des pesées, ainsi de suite pour les enfants, et surtout en matière d'un frigo solaire d'une grande capacité. Et voilà, ces deux partenaires. Et l'association aussi a été quand même, pas partenaire, s'est engagée aussi à ne pas faire certaines choses en amenant un polytanque et quelques effets, quelques matériels pour quand même, en tout cas, avoir un minimum d'épanouissement pour ces populations. Surtout les agents de santé, même qui sont vraiment le matériel manquait. Et au niveau de leur dépôt maigre, vraiment, voilà, il n'y a rien comme ça. Nous faisons que saluer grandement ces partenaires et saluer tout le monde, tous ceux-là qui sont venus. Et sans oublier que nous avons des populations déplacées qui fréquentent fortement ce CSPS-là, je pense que ça sera un ouf de soulagement, surtout du côté médicaments et pour ces populations. La santé constitue un domaine prioritaire pour le gouvernement de la transition. C'est dans ce sens que le gouvernement de Burkina Faso travaille permanemment pour améliorer la qualité en soins, améliorer aussi le système de
premier secteur, le profit et les populations. Et c'est cela que l'association COUM a bien compris et a décidé de venir en appui aux œuvres salvatrices du gouvernement de la transition en injectant plus de 14 millions pour rénover les infrastructures du CSPS Nabatigré et apporter une grande quantité de médicaments et de matériel au profit de ce CSPS-là. Monsieur le gouverneur, étant empêché, m'a instruit donc de venir témoigner ses reconnaissances à la présidente de l'association COUM et à l'ensemble de ses membres, également ses partenaires, pour avoir mobilisé ces fonds pour venir en appui à une action du gouvernement. Je tiens ici donc, au nom de Monsieur le gouverneur, à remercier Madame la présidente de l'association COUM, l'ensemble des membres de cette association, pour toutes les actions menées depuis les années 99 qu'elle existe, cette association, et à son acteur, ce que j'ai appris ici ce matin, c'est vraiment une bibliothèque par rapport à ce qu'elle a réalisé. Ce n'est pas pour rien que la délégation spéciale de Wayuya a donné à cette brave dame une attestation de reconnaissance pendant cette cérémonie de remise des matériels et aussi une cérémonie pour constater de visu les rénovations que l'association a menées au sein de ce site. Matériel médico-technique et également des infrastructures qui étaient un peu vétustes. Donc, ce que la donatrice, la présidente de l'association COUM nous a offert en rénovant les bâtiments et en nous donnant du matériel médico-technique et des médicaments, un acte s'en va. Elle est venue sauver les populations, elle est venue sauver des malades. Surtout actuellement, avec l'insécurité, nous hébergeons beaucoup de déplacés internes au sein de l'aire sanitaire du CSPS Nabatigré. Avec ces gestes-là, vraiment, nous allons pouvoir travailler.